Alors, les petits abonnés, on va pas reprendre, on va recommencer quoi. Parce que ouais, j'ai fait le con. J'ai pris le scénario de Léon A en pensant que ce serait différent du scénario du déroulement de la partie de Claire, ce qui n'est pas le cas. C'est le même déroulement qu'avec Claire. Donc c'est un peu zarbe. Encore une fois, c'est un peu zarbe. Alors ici, je vois que c'est marqué une nouvelle partie bis. Donc ça doit être ça. Si on veut avoir la partie avec Léon, la vraie, j'ai envie de dire, hein, la vraie partie avec Léon, il faut pécho la bis. Alors c'est étrange parce que j'ai que Léon. J'ai pas le scénario bis de Claire alors que j'ai terminé la partie avec Claire. Alors est-ce qu'il faut que je termine la partie de Léon bis, non, Léon A, pour avoir le scénario bis de Claire? On comprend pas grand-chose. Messieurs de chez Capcom, bravo encore une fois. Bon. Alors, bah, je vais faire confirmer. Hein. On y va comme ça. En hardcore. Et on est barré. On est barré comme ça. Je vais me la refaire en moins crispé. Ah. On commence directement dans la bagnole. De Léon. Il arrive à la station. Bon, d'accord. Du coup, ça, bon, bah ça, on l'a vu, hein. Vas-y, je passe. Je papasse. Bon. Donc, on va refaire la séquence de la station. Ah mais non quoi. J'aurais peut-être pas dû passer. Ah alors là c'est totalement différent. Bon, c'est ça qu'on veut putain. Bon, j'ai peut-être loupé quelque chose hein, dans les cinématiques. J'en sais rien du tout. Claire. I hope you made it here. Ok, donc ils se sont... ils ont dû se séparer comme c'est normalement quoi. Voilà, donc là on a enfin la partie que je voulais quoi. Ok, donc c'est rouge. Mais c'est pareil, il devrait plus nous faire chier avec les tutos à nous expliquer à quoi servent les boutons de la manette, tout ça. Si on a terminé le... Enfin, si on a chopé un scénario bis, je veux dire, c'est qu'on a déjà terminé le jeu, donc il devrait plus nous faire chier avec ça après. Bon. Ok, donc ici il y a des tombes. Sac mortuaire. Il y en a un peu partout. C'est nickel. Hein. Alors, on va passer derrière. Ouais, carrément. On va donc aller là où normalement il y a le bras de zombie dans RE3, je crois. Comment il brille les marques? Comment il brille? Ah, c'est l'hélicoptère ça. Probablement l'hélicoptère. Ok, là on a un gros tas de merde. Celui qui me bouffe à chaque fois. Ah, une herbe rouge, voilà. C'est toujours rouge. Il y a encore quelque chose là-bas, une herbe bleue. Alors vous avez été quelques-uns à m'envoyer des conseils, plusieurs conseils en voyant que je jouais en mode hardcore. Je me demande si je vais flinguer une balle pour ces conneries-là, sérieux. Oh, je m'en fous, allez. On va pas le faire. Vaut mieux garder les balles, tu sais quoi. Oui, alors je vais essayer de me rappeler un petit peu de tout ce que vous m'avez dit, ce qui est pas non plus évident. Vous m'avez écrit pas mal de trucs. Ok, est-ce que ça va balancer un script? Il y en a un bien qui va se lever. Ah, voilà. Donc là, on arrive en fin de compte. De l'autre côté de la porte, donc ça c'est tout à fait cohérent, ça suit la cinématique qu'on a vue avec Claire.
Voilà, moi je comprends pas pourquoi ils nous ont gardé une partie A avec exactement le même déroulement que celui de Claire. C'est débile quoi, c'est débile. Donc ici, il nous faudra oui certainement une clé. Bon, j'ai ramassé ça. Putain, vas-y, casse-toi. Donc là, c'est fermé. Voilà. Si je ramasse ça, ils vont se lever, les autres. Ça va lancer un script. Outil de coupe. Alors, il doit y avoir une chaîne quelque part. Ok, c'est vraiment à ce moment-là, quoi. Claire? Ok. Leon! I'll be right there! Bon, alors ça va être la même cinématique, je pense. Je vais quand même la laisser jusqu'au bout, celle-ci. Ouais, tiens, il y a des trucs en plus là. Il y a des trucs Leon, en plus. We really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. Sa voix, elle est vraiment top, hein. Allez, c'est clair. You don't have the key. C'est trop la même, quoi. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did actually. He's. Okay. Just when you think it can't get any worse. Leon, you should get going. Ouais, nickel. Don't worry about me. Just get yourself to safety. Ouais, du coup, je sais pas trop où aller là. Please just go. Ouais, bah ça on va bien voir. Putain mais la vache, il me colle vraiment tout près dans son bail quoi. Oh putain mais non mais. La vache, j'ai même pas d'herbe verte, putain ouais, ils sont tous levés quoi, bordel. Je sais pas trop s'ils vont descendre là, ça va peut-être changer de partie de map. Ils vont peut-être pas descendre. Où ils descendent. Il y a une porte là. Ok. Mais putain, mais non. Je peux encore avoir avec ça. Hein. C'est pas possible, hein. Ah, ils descendent, hein, putain, ils descendent, quoi. Ok, donc on a un coffre ici. On a une clé, certainement pour ouvrir la porte qui était fermée juste avant là. On a des fringues. Il veut s'habiller en stars, le mec. Allez. C'est vachement important, hein. C'est clair. C'est quelque chose de très important. Bon, alors j'ai mal la gueule, moi. Ici, il y a des balles. Ouais, c'est des balles de pétard. C'est pour mon pétard. Oh, est-ce qu'ils peuvent ouvrir là? Non, je crois pas. Bah il vaudrait mieux pas parce que putain. Là laisse tomber quoi. M19. Alors c'est encore un autre pétard. C'est cool ça. Deux flingues. Ici y a rien. Alors est-ce que je peux les avoir d'ici? Il y a Noémie qui me disait que je peux viser à travers les vitres comme ça. Essayons. Bah je crois que non hein. Je l'ai pas eu hein. Putain ils m'attendent. Putain mais comment je vais sortir là? Il va falloir que je me magne. Hein. Bon. Dès qu'ils sont deux à passer à gauche, je sors. J'ai même pas de... Ah, il y a des grenouilles. Une grenouille. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Bon, on va essayer de sortir comme ça, mais ça va être chaud. Hein. Bon, il y en a un qui est passé à gauche. L'autre, elle est où? Elle est où, l'autre? Ils m'attendent. Hein. Putain, ils m'attendent. Pas l'air de vouloir bouger celui-là. Mais ils ont pas l'air de vouloir rentrer non plus, donc peut-être que je peux les voir rentrer. Allez, go. Wow, j'ai cru qu'il allait me choper. Hein. Bon là j'ai une morsure, je suis mal. Putain, il y en a deux là, il y en a un à droite. Ça va être vraiment compliqué là. Merde, allez, vas-y, vas-y. Bon, allez, merde, fuck. Fuck.
Bon, donc je me suis fait éclater une première fois. Bon, en tout cas, on a quand même réussi à choper notre partie. Voilà, c'est cette partie-là qu'il fallait. Alors. Va falloir tracer. On va essayer de se démerder. De toute façon, il n'y a aucune save là. On peut pas. Il n'y a pas de salle de. Il n'y a pas de machine à écrire, quoi. Donc on recommence. Allez. Ça va être que du die and retry, hein, je crois. Ça va être tout le temps comme ça. Ah ouais. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi. Donc là, on a l'hélico qui va se crasher. Ouais, bah du coup, je vais économiser une balle comme ça. J'hésite. Je pense que je vais les buter, tu sais quoi. Je pense que je vais les buter avant de revenir là. On va se les faire un par un. Parce qu'il y en a vraiment qui gênent, quoi. C'est pas possible. Bon, vas-y, je vais pas enclencher la cinématique ni rien. On va juste choper ça. Elle s'est foutue automatiquement. Évidemment. Allez. Go. Mais putain, mais non, mais... Il me chope direct, ce bâtard. J'ai pas le choix, là. Il va falloir que je les bute. Comment tu veux que je fasse? Oh, mais non. Là c'est pas possible. Je crois que ça va être la galère, hein, les gars. Puis à chaque fois il va y avoir un putain de chargement et tout. Oh la vache. La vache. Puis c'est pas d'herbe verte, hein. Il y en a qu'une bleue et une rouge. Laisse tomber. Je sais pas si ça va être très passionnant quand même. À la limite, je me démerdais mieux dans la partie A, quoi. Dans le scénario A. Bon. Je peux pas les éclater comme ça, c'est sûr que ce serait plus facile, mais... Bon, est-ce qu'il me faut atterrir directement comme ça, juste à côté du zombie, quoi? Mais putain, mais... Ah, je suis pas en danger, là, par contre. Ok. On a déjà fait ça. Ah là là là, mais putain, mais allez, vas-y, casse-toi. Allez, go. Bon, vas-y, sape-toi. Oh, c'est mal foutu aussi de devoir faire option puis carré pour vous zapper les cinématiques. Ça aussi, c'est chiant. Bon, de toute façon, dans la review, hein, je pense que je ferai une toute petite review, pas très longue, mais on va parler un petit peu de ce gameplay. Hein. Pas exactement du gameplay, mais de ce qu'on doit faire avec la manette sur certains trucs et tout. Il y a des machins qui auraient pu être mieux, tout clairement, quoi. Ça aurait pu être mieux foutu, amélioré. Est-ce que je peux faire péter ces cons-là avec une grenade comme ça, par exemple? Pour triper, bah j'en sais rien. Et ouais, donc ici on n'a pas du tout de save, quoi. Eh, mais c'est le Brad ou quoi, ça? Ah bah ouais, c'est marqué Brad Vickers. Excellent. Il a son gilet et tout. Bon, alors ils m'attendent, putain. Ici j'ai tout chopé, yes. Ah, vas-y. Ok. Allez, go! La porte, d'une certaine manière, me protège, hein, finalement.
Alors ici, nana, là il y en a encore deux. Trois, putain mais je vais pas y arriver. Hein. Ah putain, tiens, avale ça. Vas-y, casse-toi. Hop, on court, on court, on court. Allez, pète. Oh putain, oh putain, c'est joli. Bon, vas-y, je vais pas m'emmerder avec ça. Allons-y gaiement, hop, utiliser et on rentre et on se casse. Bon, il m'aura fallu trois fois. Vite, 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 vite. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Mais putain, mais... Vous allez pas m'apprendre à jouer comme ça alors que je sais maintenant. Et puis c'est... Il faut marquer oui, voilà. Excusez-moi une nouvelle fois si j'arrête pas de gueuler. Ah non, je peux pas combiner d'ici. Ça c'est infaisable. Est-ce que ces salopards vont réussir à passer ici? C'est peut-être possible. Ah bah non, non. Non, non, ça a changé de salle. Là, ils se barrent. Ils se tirent. C'est pas mal. Il faudrait que je trouve une putain d'herbe. Ouais, il y en a encore trois. J'en ai eu un, finalement. J'en ai eu qu'un, je crois. Donc là... Bon, on en a deux ici. Ensuite, au-dessus, est-ce qu'il y avait moyen de... Bon, alors là, c'est le moment où la façade, elle est toute noire. C'est pas un bug, hein. On croirait qu'elle est vraiment noire. À ce moment, elle est noire. Quand l'hélico vient d'exploser, la façade est toute noire. Bon, ici, on a des pingouins. Donc ça va pas être évident, je crois. Ils sont combien ? Je sais pas trop s'ils peuvent me bouffer ceux-là. Peut-être que si. Hein. Ouais, bah du coup, ouais, on va peut-être mater la carte, mais ouais, je vois rien. Attends. Parce qu'en arrivant ici, juste comme ça, voilà, on a une herbe verte juste là. Merde, je la vois pas. Vite! Ah putain! Ce truc de la croix encore! Bordel! C'est bon, ils peuvent pas passer là. Bon, alors, on va faire. Oh, putain, mais ils vont me faire chier avec ça combien de temps? Je vais... est-ce que je les combine maintenant? Je pense que... Oui, de toute manière, là, il vaut mieux les combiner. Hein. Bon, allez, hop. Vas-y, je vais mélanger tout. Même si c'était peut-être pas vraiment nécessaire. La bleue, en fait, j'ai peut-être fait le con. Et en bas, attends. Hein. Ouais, parce que là. Il faudrait qu'on puisse les passer. Je vais aller voir en dessous quand même pour faire apparaître la carte. Quand même. Voilà, donc ici c'est déjà bleu. Il faut pas qu'il se lève ces enculés. Bon, ok, bon, il y en a déjà un qui se lève là. Bon. Oh putain. Ok, bon. Je crois qu'on va plutôt essayer de passer par là-bas. Je crois qu'on aurait plus vite fait finalement le hall. Je crois que c'est cette porte-là qui va nous faire arriver peut-être dans la salle, espèce de salle d'attente là. Je suis pas sûr. Bon, ici. Bon, vas-y, on en a un qui est là, deux. Il y en a deux. Putain, je les vois même pas là. Ah, trop tard, trop tard! Putain! Ah, c'est bon, il est passé! Il est passé, putain! Il est passé, la vache! Oh putain, merde! Ah putain, c'est fermé! Je vais te baiser! Je vais te baiser! Bon, ceux-là, il va falloir que je me les fasse, hein, je crois bien. Putain, je peux pas. Je vais recharger. Mais putain, mais...
Mais j'hallucine! Putain de chacal! Ouais, alors ici il y a ça. Une carte d'accès. Alors ça c'était pour la salle des casiers, je crois. Putain. Ok. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah ça c'est... Si la salle est rouge, c'est à cause de cette énigme. Ah, du coup, putain, bah, attends voir. Alors, j'ai plus de balles pour ce flingue. J'ai plus de balles pour ce flingue. Bon, ok. D'accord. Donc là, il y a une clé, trou de manivelle. Bon, bah, il faut que je ressorte. Hein. J'ai chopé la carte d'accès, mais il faut que je ressorte. Ah putain. Putain. Bon, vas-y. Mais putain. Mais putain! Ah non. Je pense pas que j'ai fait vraiment du bon boulot. Ah, je peux peut-être aller par là, tiens. Enfin non, ça doit être baisé. Bon, vite, avant qu'il me bloque le passage, ces bâtards. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est, obscur. Donc, bon, allez, vas-y, je vais bouffer ça, direct. Il me reste plus des masses de balles. Mais comment il tient son flingue? Il fait la racaille, quoi. Il fait la racaille. Bon, eux ne se sont encore levés. Putain. J'ai pressé. Morceau de papier. Hey, elles sont déchirées, les énigmes. C'est... Alors, je sais pas si c'est du fait que je sois en hardcore ou si c'est du fait que j'ai pris le scénario bis. Excellent. Oui. Claire a déjà ouvert le rideau de fer, donc c'est ce mec-là. Mais c'est énorme, voilà. Et c'est ça qui aurait dû être le scénario de Léon basique, quoi, je veux dire. Le Léon A, de base. Bon, vas-y. Hop. Hein. On en a une autre là. Hop. Bon, il faut vraiment que je me concentre, hein, pour pas foutre mes balles en l'air, parce que laisse tomber, quoi. Il me suit l'autre, non? Toujours pas. Alors, où est-on? Voilà, cette partie-là est à peu près safe. Alors, on a encore une herbe bleue. On a une machine ici. Est-ce qu'il y a un rouleau encreur quelque part? Il est dessus? Non. On n'a pas de rouleau encreur. Ah, ça fait plaisir. Bon bah c'est vraiment pas ça, quoi. Poutre supérieure. Attends, il y a bien un rouleau, un ruban encreur quelque part, parce que là je peux pas enregistrer, hein, les gars. Mission de mag. Non, toujours pas. Ouais, c'est pas un magnum, hein, de toute façon. Ah, on a encore une figurine là, bon. Composant électrique. Bon, alors, j'ai plus de place. Ouais, je suis baisé. Il faut que je trouve un ruban quelque part. Il y a peut-être un interrupteur là. Ok, bon, vas-y, on va déposer ça par exemple. Tiens, l'OST s'est enclenché quand j'ai allumé la lumière.
Ok. Alors, ce composant-là. Bah, il faudrait que je le garde. C'est pour ouvrir le rideau, en fait. C'est pour ouvrir le rideau où on voit Marvin, en fait, quand on a Claire. D'accord. Donc, en fait, Léon, il arrive. En parallèle de la partie de Claire. Claire, elle a bien avancé, quoi, dans le scénario, là, normalement. Elle a déjà pas mal avancé, quoi, si on se souvient bien. Bon. Il nous faut impérativement un ruban. Un ruban encreur. Qu'est-ce que c'est? Ça va faire encore des balles. Merde. Mais. Ah, c'est les cartouches de fusil à pompe. Bon, attendez. Je vais aller laisser mon herbe bleue. Par exemple. Toc. Je vais laisser la poudre aussi. Attends, est-ce que je laisse la poudre? J'en sais trop rien. Munitions pour mag. Bon, de toute façon, ça, j'en ai pas encore. Ouais, on va déjà mettre les balles plutôt dans le coffre. Les balles dans le freco. Et je vais reprendre à la place peut-être la poudre ou quoi. Non, je vais laisser la poudre dans le coffre. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, pour l'instant, on est comme ça. On a pas mal de balles, il faut juste que je vise bien. À bonne distance. Parce que c'est éclaté. Bon, ici, on n'a pas de barricade. On n'a pas chopé de carte non plus. Je sais pas trop s'il me suit, en fait, l'hôte avec son torse coupé, là. Je crois que non, ouais. On dirait qu'il peut pas venir là. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Là, qu'est-ce que c'est? Un couteau, excellent. Excellent, bon. Il est où? Il est là. Il bloque, c'est juste énorme. Il fait un peu de bruit aussi. Bon, il n'a pas l'air de me repérer là. Bon, je vais pas jouer à ça, hein. Mais il a pas l'air de m'entendre là. Bon, ok. Y'a rien là, bon. Bon, allez, on se tire. Je pense qu'on a rien à oublier ici. Je suis pas. Attends, je veux juste voir si il va réussir à aller là ou pas. Tiens, t'as qu'à manger tes jambes. Mange tes jambes si t'as faim. Ouais, il vient. Bon, ok. Je pense qu'après il va faire demi-tour. Alors, maintenant qu'on a fait ça, faut déjà que je me repère, quoi. On est passé par là. Bon, je pense qu'on va changer d'étage. On va changer d'étage, hein. On va voir un peu ce qui se passe ici. Léger son d'ambiance. D'accord. C'est rouge. Donc il y a forcément quelque chose. Mais je ne vois rien. Non, c'est fermé. Je peux voir juste avec la croix. Oui, c'est la même chose. Alors, ouais, c'est fermé. Est-ce que c'est ça qui rend la salle rouge? Enfin, le couloir. Y'a rien, hein. Y'a rien d'autre, hein.
Bon. Bah écoute, on va laisser comme ça. Et ben ici, on a fait ce qu'il fallait. Hein. Tant que j'ai pas de ruban, c'est pas la peine. Hein. Donc on va rebrousser chemin. On va revenir en arrière. Je sais pas trop comment il peut me choper l'autre là. Est-ce que je peux prendre le risque de courir comme ça? Il va me pécho quoi. Bon, je vais essayer de courir hein, les gars. Allez. Ah putain. Allez, vas-y, vas-y. Éclate-le, putain. Il veut même pas lui écraser la tête, quoi. Putain. Eh merde. Kawata. Merde. Ouais, c'est bon. Mais putain, mais... Laisse-moi te planter, putain. Putain, tu vas pas nous faire chier. Merde. Voilà. Alors mon knife, il est à combien là? Putain, il est presque niqué. Oh la vache. Ouais, je sais pas si je vais garder save pendant cette partie parce que j'ai quand même joué comme un con. Ça va plus ressembler à une épopée qu'autre chose. Hein. Même si je compte pas quand même aller jusqu'au bout, hein, c'est même pas la peine quoi. C'est même pas la peine. Allez, coupe-moi ça. Toc toc. Est-ce que c'est la salle des casiers était là-bas? Me semble-t-il. C'était bien là-bas ou quoi? Non, ça c'est peut-être la salle de briefing ou la salle de conférence. Bon, il faudrait que j'aille voir. Qu'est-ce qu'il y a... Qui c'est qui gueule comme ça? Bon, d'accord, je sais pas du tout. Ouais, bah, il est là, d'accord. Mais putain, mais c'est moi qui me prends la porte dans la gueule! What the fuck? Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Hop, 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 on n'a rien. Je pouvais pas me tirer là, non. Non, je crois pas. Ah oui, il y avait peut-être une petite lampe là. On a un bâtard ici, des balles. Ah oui, j'ai laissé l'autre dans le coffre. Je sais même pas si c'était utile de le garder en fin de compte, hein, si j'en ai un. Faudrait que je vois un peu les descriptions des deux. J'y retournerai de toute manière. Donc ok. Salle de conférence, elle est torched. Alors ici c'était les bureaux. Je sais plus trop c'était quel bureau. Donc on continue de se balader. Toujours pas de ruban. Ta lampe, putain. Bon. Alors est-ce qu'on va derrière ou quoi? Ouais, bon, c'est bleu, hein. C'est pas la peine de regarder 36 fois. Ah, copain. Il me voit pas. On va continuer là-bas. Ici. Ouais, 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 c'est le bureau. C'est le bureau. Qu'est-ce qu'il y avait de beau déjà? On voit pas des guignols. Je sais pas si j'en vois un là-bas. Je suis pas certain. Il y a l'air d'avoir personne. Merde. Je peux pas entrer comme ça. C'est de l'autre côté, hein, peut-être que je peux entrer. De ce côté là-bas. Donc j'en ai un dans le couloir, il va falloir que je l'encule. Hein. Obligatoirement, quoi. Et...
Voilà. On ouvre notre putain. Putain, y'a un zombie. Y'a un zombie ici, quoi. Voilà, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Complètement inutile de. Enfin, je vais encore gueuler, mais c'est complètement inutile de... d'avoir une partie de Léon avec le... exactement le même cheminement que Claire, quoi. À quoi ça rime? Seriously? Ah, là-dedans. Ah, ça c'est cool. Ici, babal. Bon, on a quand même pas mal de babal là, ça va. Ok, ok. Putain, c'est pareil, j'ai pas enclenché le chronomètre. Je sais pas combien j'en suis là. Bon, je crois que je vais le niquer l'autre. Hein. Il vaut mieux que je le nique. Hein. Parce que lui, il va nous faire chier de toute manière. Il nous fera chier tout le temps, quoi. On va en profiter qu'il est de dos, tiens, pour l'éclater. What the fuck? Ah merde, désolé. Il est dead? Bon, je crois que oui, hein. Bon, il vaut mieux que je save là mon couteau, hein, parce que il commence à être fatigué. Toujours pas de ruban encreur. Alors, on va essayer de prendre donc ce bureau. Entrer de l'autre côté. On va barricader cette merde très rapidement si on doit se barrer. Et... ouais, là il y a l'autre pote qui nous attend. Donc ici on peut y passer. On a un blaireau qui dort là-bas. On a... Oh putain, ils vont péter la truc. Hein. Alors là, oui, il y a forcément quelque chose. Ok, ça c'est quoi? Une poudre noire. Ça veut dire qu'on peut faire des balles. Putain, il faudra que je me remette ça. Hein. On va pas se concentrer là-dessus pour l'instant. Ok, personne par terre. Là, il n'y a rien du tout. Ici, vas-y, on va dégager ça. Ensuite. Ensuite. On a une valve. On a. Ici, c'est quoi ça? Mais putain, mais ramasse, putain! Il va venir l'autre. Ah, vas-y. Vas-y, on se tire. Hop. Ok, il est là. Il est là. Alors, j'aimerais bien fouiller de l'autre côté, mais il faut que je la tire, celui-là. Viens, copain. C'est moi. C'est la nouvelle recrue Leon. Eh oui, eh oui. Allez, viens, je vais te photocopier la gueule. Ok, alors, on continue les fouilles. Est-ce que l'autre va se relever? Non, il n'a pas l'air. Ah, voilà. Grenade assourdissante. Ah, putain, j'ai plus de place. Bon, à la limite, c'est qu'une grenade. S'il n'y a qu'une grenade. Ou alors. Ou alors, je mélange ça et ça. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que ça va me faire comme balle? La poudre blanche et la poudre noire. Deux noires, c'était des balles de flingue normales. Une blanche et une noire, c'était. Des balles de. C'était des grenades incendiaires, je crois. Bon, j'hésite, je préfère pas faire le con. Je vais me tirer, voilà, je vais me tirer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer des trucs dans le coffre. Et puis voilà, en même temps, je vais refroidir le zombie qui a le torse, là. Le torse de Bibi. Parce que lui, c'est pareil, il va me faire chier. Bon, attendez, ce que je vais faire, bientôt, là... C'est que je vais couper la capture vidéo avant de me faire tirer. Putain, j'y crois pas. Eh, hey, mais il est sorti par là, l'autre. Trop bon, quoi. Bah, du coup, il est dans le couloir. Bon. D'accord.
Ok. Bon, tu vas pas me dire que là je peux pas l'avoir d'ici. Merde, c'est pas vrai ça. Ah c'est bon, je crois que j'ai niqué deux balles hein, finalement. J'ai dû niquer deux balles. Ok, il est dead. Il m'a bouffé en plus, hein, il m'a bouffé. Voilà, bon j'ai toujours pas le ruban encreur, la vache. Il va quand même falloir que j'enregistre, hein, même si j'aurais pu jouer quand même mieux que ça, mais... Enfin, si je dois refaire tout ça, ça va être un petit peu relou quand même, vous pensez pas? Hop. La valve. Je sais plus exactement c'était pourquoi. Bon, je vais couper l'enregistrement là et je le reprends juste après. Voilà, donc c'est très rapide, tout va bien. Et oui, alors on va pouvoir aller foutre ça dans la salle des casiers. Il me reste plus tellement de balles maintenant avec mes conneries, hein. Bah on va certainement en faire. Et puis j'ai pas de dossier. Attends, j'ai pas le dossier qui m'expliquait ça, il me semble. Non. Non, non. Bon, bah écoute, on va tester. Hein. Enfin, j'ai un peu peur de faire le con quand même. Et poudre supérieure en plus, jaune. C'est même pas... C'était même pas blanche, c'était encore autre chose ça. Combinez-la avec de la poudre noire pour créer des cartouches de fusil, bah, c'est marqué là. Ou combinez en deux pour créer des munitions pour mag. Bon, l'un dans l'autre, je pourrais pas m'en servir quoi. Poudre qualité, combinez en deux pour créer des munitions de pistolet. Il faudrait une autre poudre noire, donc on touche à rien quoi. On va toucher à rien pour l'instant. Un pistolet en polymère, de nombreux défauts l'ont rendu peu adapté pour les civils ou les forces de l'ordre. Mes capacités 12 coups. Ouais, bon, vaut mieux qu'on garde celui-là. Quoi. C'est bien ce que je pensais. Bon. Eh bien. Eh bien, maintenant, on va aller dans le hall. Hein. Je crois que... On peut ramasser la grenade assourdissante, je crois. Eh putain, il est pas mort, le... Il était... Je croyais que je l'avais flingué. Mais attends, mais... Bon. Bah fuck, hein, je vais pas... Je vais... Wow. Mais putain, mais... Enculé de bâtard. Bon, bah j'ai plus de couteau. voilà comment ça s'est passé. Je n'ai plus de couteau. Où était donc... Ah oui, merde, couteau par là... Y'a un copain. Et lui, il faut parler de... Non. Oh la vache, il a failli me gauler l'autre. Allez. Bon, ici, il y aura peut-être un peu plus de place pour les éviter. Oh putain, mais... Mais j'y crois pas. Putain. Je me suis jeté dans ses bras, quoi. I love you, Leon. Hello? Is anybody here? Y'a que du bibi! Va te faire foutre, Leon! Y'a que du bibi! Ce serait bien qu'il y ait un mec qui réponde ça. Bon, vas-y, on va regarder ça très... D'accord, l'autre, il vient directement me faire chier. D'accord, eh ben c'est bravo. Ah. Ouais. C'est pareil, c'est la bonne vieille cinématique bien culte. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Y'a peut-être quelque chose... Bon, j'ai toujours pas de ruban encreur. Enfin, c'est la misère, quoi. Il vient, l'autre. Oh, putain! Putain! What in the... Oh, la vache. Mais si je crève, mais ça va être la grosse merde, là! D'accord, mais what the fuck? J'ai un liqueur au cul.
Tiens, liqueur au cul. Putain de merde. Putain, mais y a pas une herbe là, il me faut absolument une herbe. Je vais pas m'en sortir, hein. Ça c'est fermé, oui. Ah bah. Alright. Mais putain, mais. Mais qu'est-ce que. Ah mais oui, à chaque fois il faut faire ça. Mais c'est chiant, c'est chiant. Comme mettre examiner tout en haut, quoi. C'est utiliser qu'on veut voir en haut, messieurs de chez Capcom. Appareil électrique, alors attends, parce que est-ce que je le prends moi? C'était pour faire quoi ça? C'était pour mettre quoi déjà? Il faut absolument une herbe. Ah, vas-y. J'ai un ruban encreur. J'ai. Oh, putain. Ça va pas aller ça. Ah, je peux virer ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite. Encore une grenade à la con. Ouais, bah je vais m'en servir, je crois, des grenouilles. Ici, je peux peut-être barricader une fenêtre, mais enfin, il y en a trop plein aussi. J'ai plus de. J'ai pas assez de place non plus, donc c'est la galère, quoi. Ça, on va le faire apparaître sur la carte. Appareil électronique, ça servait à quoi déjà ce truc? Bon, ici, on a l'air d'être safe. Pas l'air d'avoir d'enculés qui font chier. J'ai pas de carte non plus. C'est vraiment génial quoi. On est vraiment paumé total et ça m'emmerde de bouffer l'herbe comme ça, hein, vraiment quoi. Bon, je vais aller choper ça. On va essayer de le foutre à une fenêtre déjà. Avant de choper ça. Putain de merde. Ils ont l'air de me laisser ici. Hein. Ouais, je peux m'enfuir par là, au pire des cas. Ça, c'est quoi? Un document? Rapport d'événements? Ok, oui, c'est historique. Ça, c'était quoi? Plan du commissariat, ça sera bien utile, lui. Merci, lui. Vite, Léon. Allez, Leon. Arrête un peu de faire le couillon, Leon. Ah, on peut peut-être s'enfuir par là, aller directement dans la salle des casiers. Et eh ben c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. La première à droite. Allez, je vais essayer de pas courir, hein, pour éviter. Putain de merde. On va frôler les murs, raser les murs. Ok. Allez. Donc 106. On commence à le savoir. Pellicule 109. Ouais, c'est pareil. Pour virer leur écran, on est obligé de faire rond là. Pourquoi pas croix, messieurs de chez Capcom? Vu que c'est avec croix qu'on examine. Ou qu'on ouvre les portes, ou quoi, etc. quoi. Même ça, vous voyez, quand on accepte, on appuie sur croix. Bon. Hop, la carte d'accès. Allez, vas-y. Boum. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est juste ça ou y a quelque chose hein? Ah, alors ça fait plaisir, putain de merde. Oh putain, ça va prendre deux places. Non, ça prend une place. Bon, je vais bouffer mon herbe, hein, les gars, je crois. Ah, putain, j'aurais pu peut-être barricader. Barricader quelque chose. Oh putain. Putain de merde, ils sont deux, putain. Là, je vais me faire baiser. Je la sens mal. Oh putain. Magnifique. Magnifique. Prends-la ta merde. Vas-y. Vite. Donc, ce que je voulais faire là. Barricader. Barricader. Où est-ce que je peux barricader quelque chose là? Putain de bordel. Oh. Faut que je barricade quelque chose là. C'était par là ou c'était par là? Bon, est-ce que je me ferai pas baiser? Là, je peux passer par cette porte. Je pense que oui. Ouais. Je crois que là-bas on pouvait barricader.
basketball là. Ouais, ok, on peut sortir là. Je retournerai à la salle des casiers juste après. On s'en doute bien. Ici. Voilà, je peux barricader ici. Ok, vas-y, barricade. Oh putain! Oh les bâtards! Est-ce qu'ils peuvent me pécho? Bah, ils peuvent pas rentrer, hein, a priori. Il y a des trucs. Bon. Est-ce que. Putain! Est-ce que. Il faut vraiment que je barricade ça. Il faut que je trouve une fenêtre pour me servir de ma barricade, là. Le liqueur. Il est où? Il est là-bas? Je crois qu'il est au sol ou il est au plafond ou quoi? Putain, puis je suis en danger et tout. Non, mais laisse tomber, quoi. Les risques que je prends, là. Putain, mais c'est barricadé, là. Mais j'hallucine. Mais putain, mais... Il doit être plus loin. Bon, écoutez, elle commence à... Ah, parfait. Putain, est-ce qu'on va y arriver? Ouf. Allez, vite. Tu vois, j'aimerais bien le passer avec croix, ça. Bon, le pompe. J'ai pas vu d'herbe non plus, j'ai... pas vu d'herbe rouge, je veux dire. Est-ce que je la bouffe maintenant, cette saleté? Il vaut mieux, hein, je crois. Bon, allez, je la bouffe. Bon, vas-y, je la bouffe. Je la bouffe, c'est trop risqué, quoi. Là, vraiment, ça commence à devenir vraiment trop risqué. J'ai toujours pas sauvegardé. Chaud les noisettes, quoi. Ok, bon. Alors, là-bas, c'est une impasse. L'autre, il est sorti de la salle des casiers, obligatoirement, quoi. Il va pas rester là-dedans. Putain, ça se trouve, il est resté là-dedans. Putain, mais il est là. Mais il est là. Allez, vas-y, amène-toi. Amène-toi, Baltringue. Voilà, il faut juste que je le fasse finir par là. Mais putain, tu vas l'ouvrir, la porte, Léon. Est-ce qu'il peut me suivre? Ouais. Il a l'air de pouvoir me suivre. Ok. Bah, c'est là. Coucou. Viens, copain. Ouais. Magnifique. Magnifique. Allez, vas-y. Viens, copain. Voilà. Hop. Adios. Ce de pute. Ok. Ouroboros. Et ben voilà. Donc la pellicule, elle va se faire foutre. Voilà, ça c'est intéressant. Oh, ça c'est intéressant, toi. Ok. Bon, c'est en haut. Putain. Bah, j'ai bien fait de pas toucher à mes poudres, parce qu'on sait déjà maintenant qu'on va faire... bah, évidemment, hein, on va faire des cartouches de mag, hein, évidemment. Des cartouches de fusil, pardon. Bon, ici, je ne peux rien ouvrir. Des places supplémentaires pour l'inventaire, ainsi que des balles, des cartouches de fusil. Ouais, sérieux, là-bas, la... Enfin, la pellicule... On s'en fout, quoi, je veux dire. C'était quoi, déjà, cette pellicule, là? Ça nous montrait une connerie. Poète. On va peut-être aller sauvegarder. Bon, il faut que je retourne... Putain, il va falloir que je repasse par le liqueur, là. À moins que je prenne le bureau ouest. Vas-y. Bureau ouest. Ah non, mais c'est fermé. C'était fermé, là-bas. C'était une clé trèfle, je crois, ou...
Ah non, non, laisse tomber, c'est fermé. C'est pas la peine. Je m'occuperai de faire cette énigme-là plus tard. Parce que là... Là, il faut juste dégager, il faut que j'aille enregistrer absolument. Alors du coup, bah oui, du même coup. Je suis obligé bah, de repasser par là. On va devoir passer devant le liqueur, quoi. Bon. Bah, écoutez, hein, je crois qu'on n'a pas le choix. Et c'est pareil, l'autre pingouin, il doit être là. Hein. Bon, je vais en profiter pour ramasser le machin électrique. Ça va peut-être être lui le premier à tester le fusil à pompe. Ou quoi? J'ai que 4 cartouches, donc non. C'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. À la limite... Oh putain, il est là. Il est là. Merde. Désolé. Bah, il s'est planqué derrière la porte, quoi. Il va me choper. Il va me choper. Ouais, d'accord. Bon bah viens, allez. On va en finir. On va en finir une bonne fois pour toutes, bâtard. Mais putain de merde. Putain. Bon, vas-y. Je sais pas s'il est encore vivant. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je l'ai peut-être eu. On verra ça en revenant. Bon, alors là, c'est évident qu'on va pas courir comme des bœufs. Putain. C'est évident aussi qu'on va sortir le pompe au cas où. Et on y va. Oh, la vache. Tu le bout de cet enculé. Alors, il est par là, l'autre, hein. Putain. Faut pas que je sois à côté ou quoi, parce que là, laisse tomber quoi. Non, hardcore et tout, mais un coup de griffe, c'est bon, je suis mort. Je le vois pas. Je sais pas où il est. Là, on voit que dalle. On l'entend. Il est là le bâtard. Est-ce que je peux passer comme ça? Si je marche. On passe, on court. On passe. Et on court. Je me dis que de toute façon il va pas bouger là. Il a pas l'air de bouger quoi. Allez, on tente. Oh putain, oh putain. C'est bon. Waouh, mais c'est énorme. C'est énorme. Bon, là, il y avait peut-être encore des fils de pute. Ok. Putain, il y a une herbe. Bon, je la combinerai bien, mais j'ai pas chopé de rouge. Bon, je vais continuer comme ça jusqu'à la salle de save. On va bien voir. Je vais faire quand même le tour du... Ouais, le tour, ouais. On va faire le tour. Parce qu'il y a forcément d'autres choses. Alors là, il y a un connard, hein, évidemment. Ah, mais c'est Marvin. Bon, ok. Marvin est déjà transformé. Donc, Léon ne lui parle absolument pas. Dans son vrai scénario, j'ai envie de dire. C'est son vrai scénario, quoi. Dans ce RE2 remake. Ils auraient dû foutre celui-là en A. Et puis genre, les B, bah, je sais pas, moi, qu'à foutre encore d'autres choses. Voilà. Alors, on a rechopé des balles. Est-ce que là, on est good? J'en sais rien. On continue. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Là, tu peux pas... Tu peux pas ne pas être à fond dedans, je veux dire. C'est juste obligé, quoi. Alors, on va essayer ça. Qu'est-ce que c'était? Alors, on a... est-ce que c'est le même truc? On a deux guignols. On a... C'est une balance, ça? C'est quoi?
Est-ce qu'ils ont changé les trucs? On a deux guignols. Attends-moi. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est deux guignols, ça. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Ah, mais non, mais... C'est la licorne, c'est pas le lion. Imbécile, imbécile. Est-ce que... Alors, est-ce que je me rappelle de ce que c'était que ça? C'était... Putain, non, je sais plus ce que c'était. Il y avait un épi au milieu, je crois, mais après, c'était quoi? Ouais, j'ai l'impression que ça a changé aussi, hein. Ouais, non, ça a dû changer aussi. Eh ben, c'est parfait. Alors, ensuite... Oh, putain, on en a un qui est là. On en a un qui est là. Bon, lui, je crois qu'il va falloir que je le flingue, hein. C'est pas le choix. Ou alors je l'attire. Allez, on va le faire descendre. On va voir si on peut le faire descendre. Eh, chérisse. Putain, les cheveux. Messieurs de chez Capcom, les cheveux. Mais putain, mais... Je peux pas m'approcher de trop parce que... Putain, tu vas venir, ouais. Ok. Allez, viens avec tes cheveux, là. Ouh, elle va tomber ou quoi? Non, allez, viens. Eh oh. Putain, mais j'hallucine, mais qu'est-ce que... Oh, elle a vraiment du mal, celle-là, hein. Attends, mais c'est que... Il est uniquement là, son secteur, ou quoi? C'est un carré d'un mètre carré, ou quoi? Voilà. Allez, viens. Puis alors elle va sprinter, ouais, je le vois venir d'ici, ça. Allez, amène-toi. Est-ce qu'elle va pouvoir descendre? Oui. Et là, c'est magnifique. Allez, amène-toi. Allez, amène-toi. Bon, on va tripoter ça pour que ça apparaisse sur la carte. Marvin, Ikeblo. Ikeblo. Elle, allez, amène-toi. Pardon, je me suis trompé de chemin, excusez-moi. Hop. Allez, on va aller voir au-dessus. Ça fait encore quelque chose. Et j'ai toujours pas sauvegardé une fois, quoi. Vraiment, vraiment. Truc de taré, quoi. Mais je pense que je peux rejoindre d'ici. N'est-ce pas? Ah. Oui, bon, alors attends, parce que là... On va être légèrement baisé. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, bah je crois que je vais quand même bouffer... Ouais, non, c'est le coffre. C'est le coffre. Vas-y, je vais le faire apparaître sur la carte. Je crois qu'il n'est pas apparu. Attends, il est apparu ou pas? Ouais, si, coffre. Ok. Alors, attendez voir. Parce qu'à la limite, là, moi, je me tâte à bouffer quand même. Ouais, puis ça, c'est closed. Ouais, je peux pas passer par là. Il va falloir que je fasse le... Que je reprenne le bas. Je repasse en bas, putain. Bon, vas-y. Je vais bouffer. Et je vais prendre ça. Voilà. Je sais que c'est pas forcément ce que j'aurais dû faire. Mais écoutez, hein. Je découvre aussi ce mode hardcore qui est excellent. Le principal, c'est vraiment que j'ai toujours une herbe de côté. Putain, elle est remontée! Bon, bah, je suis obligé de la baiser. Et ouais, je suis obligé de la baiser. Bon, elle est tellement bourrée. Merde, mais putain, bordel. Mais putain, mais... Yes. Je sais pas si elle est dead, mais de toute façon, elle va encore me faire chier. Donc, vaut mieux que ça déglingue, non? Elle est pas morte. Qu'est-ce qu'ils foutent en bas, ils se battent ou quoi? Ils montent! Putain, mais ils montent!
Marvin. Désolé. Ok, allez, on va repasser maintenant. Restez en haut, les mecs. Vous êtes bien, là. On va repasser maintenant par le rideau de fer, là-bas. Bon, ça, c'est la statue. Je ne peux rien faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Attends, il y a quelque chose, là. Ah. Ouais, bon, bah, ça, c'est... Ça, c'est encore une autre statue. Et il y a une page manquante. Bah, c'est la page du lion, ou quoi? Bref, oui, on verra ça plus tard. Ok, là, y a rien. Est-ce qu'ils vont me re-suivre encore? Ah ouais, ils reviennent tous. C'est énorme. Ils ont la dalle, les bibis. Allez, on reprend. On reprend ici. Donc, on va repasser comme ça. Toc, 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 toc. Et la save est juste là-bas. Normalement, ça devrait bien se passer. Est-ce que j'ai fouillé, là? J'avais fouillé, hein, il me semble. Oui, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ok. On continue le délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je l'ai fouillé. Les casiers, là, il n'y a rien, non? Lui, il est dead, hein. Les chiottes. Bon, ça, je me le réserve pour la partie prochaine. Salle du gardien. Salle du gardien. Ok, allez. Ok. L'autre, il est toujours vivant, du coup. Putain, mais il est toujours là, l'autre. Mais j'hallucine ou quoi? Putain, mais... J'arrive à perdre des balles comme ça, quoi. Mais sérieusement. Bon, il lui manquait plus qu'une balle. Je pense qu'il est mort, maintenant. Ce bâtard, là. Cette moitié de bâtard. Ok. Ouais, là, il n'y a pas de reflet dans la vie. Tout ça, c'est dommage. Ici, il faudra refaire une barricade. Quand j'en en trouverai une, quoi. Et ici aussi... Pour même en foutre deux. Allez. Ensuite. Alors là, on va rigoler maintenant. Il nous reste plus que deux balles. Deux balles. Il nous reste deux balles. Je vais mettre l'herbe. Je vais la garder quand même. Bon, allez. Je dégage tout ça. Je réfléchirai à ça plus tard. Oui, donc ça, c'est bien avec... Oui. J'ai deux grenades. On va se péter, bien entendu, avec de la poudre noire pour créer des cartouches de fusil. Donc, une poudre blanche. Enfin, c'est poudre jaune, cette fois. Poudre supérieure jaune, poudre noire. Voilà. Avec ça, on devrait avoir des cartouches de fusil. Combinaison 2 pour créer une munition de mag. Nous, il nous faut du fusil pour l'instant. Combiné, et voilà. Ça en fait pas beaucoup, mais... Bon. On peut en mettre que 4. Ok. C'est énorme, ça. Voilà, donc hop, 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 hop. Ouais, à la limite, je vais plutôt le mettre là, il vaut mieux. Et puis, ben, on va enregistrer, hein. On va enregistrer ici, hein. On s'est bien démerdé, je pense, à peu près, quoi. J'aurais pu save quand même quelques balles, je sais bien. Peut-être même éviter de bouffer mes herbes. J'en ai bouffé combien, là? Au moins 2-3, quoi. Mais bref, hein, il en reste quand même une de côté. On va pouvoir attaquer la suite comme ça. Hein. Et puis c'est tout. Alors, utiliser, je vais remplacer ça. Ouais, oui, je vais remplacer ça. Ça m'intéresse pas de refaire exactement le même truc que Claire, quoi. Pas comme c'était foutu. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Puis c'est même incohérent, donc je veux dire, c'est débile. C'est total débile. Voilà. Ah bah, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Il a klaxonné en bas. Bon.
Je vais déposer ça, poète. Et les petits abonnés, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je suis excité à l'idée de continuer en fait. C'est juste énorme. C'est juste énormous. Allez, je vous embrasse partout.